Cette année, pour la première fois, la région Nord-Pas-de-Calais et Lille, après Lyon, avaient été choisies par l'Association des villes Internet pour organiser la remise des labels. Après une série de débats-rencontres où il était surtout question d'Internet, de médias de proximité et d'éducation, les représentants de la ville de Saint-Laurent-Blangy ont pu constater qu'ils étaient dans le ton. Grand bien y fut dit des cybercentres, de l'informatique et de l'Internet dans les écoles, d'échanges avec les pays du Sud et aussi et surtout des web TV, autant d'actions que la ville défend et promeut depuis longtemps dans ses réalisations et projets. À la fin de la journée avait lieu la remise des labels, Saint-Laurent-Blangy en obtient 2 pour sa deuxième année de participation. Une satisfaction pour les élus, les services communication, la récompense d'un travail suivi. Des projets, la ville en a encore de nombreux. L'accès au plus grand nombre, la participation et l'interactivité du site et encore plus de services web. L'Association des villes Internet fêtera ses 10 ans l'an prochain. Dans ses projets pour 2008, l'organisation d'un questionnaire sur les pratiques et la vision de l'Internet par les citoyens, un questionnaire à l'échelle du pays, une première dans le monde. Le milieu de l'année sera sans doute choisi pour lancer celui-ci. La ville sera sans doute au rendez-vous pour questionner les îles mercuriens sur le sujet et pour faire évoluer la toile et la citoyenneté. Et aussi pour les trois arrobases.